Bonjour Solène. Bonjour. Quel âge as-tu? J'ai 18 ans. D'accord. Et donc, tu es Je suis de Maison des Compagnons. Oui. Donc voilà, tu es jeune. Jeune, première ville. D'accord. Dans quelle ville tu es? Sur Bordeaux. D'accord. Et ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Donc, tu es une des premières filles boulangères Oui. que nous accueillons. D'accord. Oui. Ça va à la maison? Oui, ça va très très bien. Oui. D'accord. Et en entreprise? Ça se passe bien aussi. D'accord. Ok, très bien. Comment tu as fait pour rencontrer les compagnons? Qu'est-ce qui t'a fait? Comment tu as pu connaître les compagnons? C'est grâce à un ami de la famille. Enfin, oui. Mm-hmm. Qui connaissait un compagnon charpentier. D'accord. Donc il m'a fait rentrer sur le... De bouche à oreille? Oui, voilà. De bouche à oreille. Et puis tu t'es renseigné? Aussi, oui. Sur Internet ou... Sur Internet, oui. D'accord. Et puis ça t'a plu? T'avais envie de voyager? Aussi, oui. D'accord, très bien. Et tu m'as dit que tu étais dans quelle ville? Sur Bordeaux. D'accord, ok, très bien. Et ça se passe comment dans le siège avec les autres itinérants? Ça se passe bien. Ça se passe bien? On s'entend plus à peu près bien. D'accord, vous êtes combien? On est à peu près 40. D'accord, très bien. Et quelles sont les valeurs que tu retrouves dans cette maison? Il y a le partage, l'entraide. Le partage. Ouais. On s'entraide entre nous. Et de la joie de vivre aussi. D'accord. Et Solène, dis-moi, quels sont dans l'avenir proche et après ce que tu as envie de faire? Quels sont les objectifs que tu t'es posés? Déjà continuer le tour de France. Ouais. Après, plus tard, j'aimerais bien ouvrir ma propre boutique. D'accord. J'aimerais bien surtout aller dans niveau d'un village, mm-hmm. parce que j'aime bien en campagne. Mm-hmm. D'accord. Et avec chef d'entreprise, en fait. Chef d'entreprise. D'accord, ok. Avec des diplômes que tu vas développer sur le Tour de France? Oui. Okay. Peut-être passer le BP. D'accord. Là, je suis en mention complémentaire. Ouais. Donc, passer le BP après, peut-être un BM. Très bien. Et bon courage, Solène. Merci.